Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément boîte. Nous allons voir en détail les fonctionnalités de l'élément boîte. Pour ceux qui ne le savent pas, nous utilisons l'outil Sheeta de la plateforme Budroll et vous avez un lien dans la description pour en savoir plus. Donc, la boîte que nous avons importée, nous avons ramené sur notre plan de travail. On peut changer sa taille, donc largeur, hauteur, ok, on peut jouer sur ça. La hauteur minimale, c'est la hauteur qu'on ne veut pas dépasser, en fait. C'est la plus petite hauteur qu'on veut avoir. Vous pouvez mettre ça à 10 si vous le souhaitez. Hauteur sur tablette, ça c'est à utiliser uniquement pour ajuster la forme de votre élément sur la tablette, sur la version tablette. Donc si vous travaillez sur la version PC, comme on est en train de faire actuellement, ne touchez pas à ça. C'est uniquement sur la version tablette. Donc vous pouvez aussi bien utiliser ces fonctions que je vous montre là ou le faire directement manuellement. Donc si je veux donner une forme à ma boîte, je peux le faire juste comme ça au lieu d'utiliser les curseurs. Ok, ça c'est pour la taille. On peut continuer l'arrière-plan. Le paramètre d'arrière-plan, en fait, il s'agit de la couleur de notre boîte. Actuellement, c'est une couleur grise. Si je veux une autre couleur, je peux mettre ça. Ou je peux aussi prendre le code couleur et copier-coller directement pour avoir la couleur exacte que je souhaite. Donc vous avez le choix. Okay, on va changer ça un peu, on va mettre ça un peu plus. Okay. On réduit cette boîte pour pouvoir l'avoir en entier. Ensuite, autre chose qu'on peut voir, qu'on peut faire. Ah, ça c'est l'arrière-plan. Je vais juste vérifier si je vous ai tout dit là-dessus. Sur la boîte, on peut aussi rajouter des images. Je veux que au lieu que ce soit une couleur. Le fond soit une couleur, je veux plutôt avoir une image, je peux le faire. Donc, je vais aller chercher une image. Donc si vous cliquez là, vous n'avez pas d'image, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller choisir, vous cliquez sur choisir le fichier et aller chercher l'image sur votre ordinateur. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre image, vous l'importez et là, vous avez votre image qui sert de fond, hein, d'arrière-plan pour votre boîte. Si vous ne voulez plus avoir d'image en arrière-plan de votre boîte, vous cliquez sur la corbeille et ça disparaît. Donc là, je reviens. Je vais juste vous mettre correctement. Hop, on clique dessus. Tac, on est là. On continue avec l'élément boîte. Je vais lui donner quand même une autre couleur pour qu'on puisse voir bien. Sinon, on va être embêté. Alors, je vais mettre du bleu parce que ça ressort, je trouve que ça ressort un peu mieux. Ok, donc là c'est bon pour l'image. On peut aussi jouer sur la bordure. D'accord? Actuellement, on a des angles carrés. Hein. On peut plutôt les arrondir. On n'en est pas encore là. La bordure ici, au fait, il s'agit des traits sur le côté. Donc actuellement, il n'y a pas de traits. Ok, il n'y a pas de traits. Mais on peut rajouter un trait. Donc je vais cliquer dessus. Et tac. Alors, je suis sur paramètres d'arrière-plan. Je veux plutôt la bordure. Et je peux rajouter une bordure. Je vais glosser comme ça. Vous verrez la différence. Alors, là, pour le moment, on voit rien. Pourquoi? Parce que j'ai, quand bien même j'ai rajouté. Tac, je reviens là-dessus. J'ai dit que le trait doit fermer, en fait, etc. Je n'ai pas décidé du type de trait que je veux. Je prends celui-ci. Okay, donc là, vous voyez la différence. Si je réduis, tac, 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 on voit aussi la différence. Donc ça, c'est concernant la bordure. La prochaine fois, nous allons continuer avec le rayon de bordure, l'ombre, etc. Ok. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous avons créé une formation gratuite. Nous avons mis en place une formation gratuite pour vous. Pour y accéder, vous allez sur notre site advideo.fr, vous scrollez jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton, c'est marqué « Je commence ma formation », vous cliquez dessus et vous aurez toutes les inscriptions pour pouvoir accéder à la formation. Nous pouvons également créer votre site internet si vous le souhaitez. Pour cela, ce que nous vous demandons de faire, c'est de nous contacter directement, soit en remplissant un formulaire, en cliquant sur ce bouton, soit en nous envoyant un mail ou en nous appelant directement à ce numéro. On se retrouve pour une prochaine présentation. Au revoir.